Nous, membres du caucus des députés provinciaux du Sankuru, ayant adhéré à l'Union sacrée de la nation par la déclaration du 28 février 2019, formalisée par le mémorandum adressé au chef de l'État, tenons à apporter à la connaissance de l'opinion la situation réelle que traverse notre institution provinciale. L'Assemblée provinciale du Sankuru compte 25 députés, dont 24 hommes et une femme ici présente, 23 élus et 2 députés coptés. Après 2 décès enregistrés, 23 députés sont vivants sur un nombre de 25 sus-évoqués. Après la mise en place de ces organes réglementaires, à savoir le bureau définitif, le groupe parlementaire, les commissions permanentes au mois de mars 2019 et récemment au mois de décembre 2020, le comité de sages. Notre institution a connu beaucoup de soubresauts au point qu'à ce jour, elle n'a voté aucun édit ni effectué un seul contrôle parlementaire, encore moins l'investiture du gouvernement provincial. Les faits ci-après illustrent le tableau. À l'interne, la mise en accusation de l'honorable Salomon contre le président Olamba du bureau de l'Assemblée provinciale pour sa déchéance. 2. La mention incidentielle de l'honorable José Dambo contre 2 membres du bureau pour incompétence et outrage contre leurs collègues. 3. La mention incidentielle de l'honorable Bertrand Doyangange contre le rapporteur adjoint du bureau de l'Assemblée provinciale pour incompétence. 4. Une déclaration de retrait de confiance de 15 députés contre le président du bureau de l'Assemblée provinciale. En externe, le procès verbal de carence établi en violation des textes légaux et réglementaires. 2. Le vote de la résolution 002 portant autorisation de poursuite judiciaire contre le gouverneur de province. 3. Le vote de la résolution 003 de l'Assemblée provinciale du Sankuru portant mise en accusation du dit gouverneur. 4. La requête en interprétation de l'article 166 de la Constitution introduite à la Cour constitutionnelle par le président du bureau de l'Assemblée provinciale du Sankuru. Mesdames et messieurs de la presse, à la lumière des éléments si haut décrits, nous avons tenu à porter à votre connaissance que l'Assemblée provinciale du Sankuru à laquelle nous appartenons est à l'origine de la grande crise institutionnelle que nous connaissons jusqu'à ce jour dans la province du Sankuru. Ne pouvons que reproduire cet état de choses dans le chaos. La présente déclaration s'inscrit donc dans cette logique. Notre détermination aujourd'hui consiste à dénoncer les complots préparés par les ennemis de la province du Sankuru. À cet effet, le bureau de l'Assemblée provinciale du Sankuru est utilisé comme bras armé de cette stratégie du chaos pour la déstabilisation totale de notre province. Vous vous souviendrez qu'à l'issue de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur, les ennemis de la province avaient promis de rendre la province ingouvernable. Sans vouloir nous soustraire de cette responsabilité collective, nous venons d'adresser ce jour, mesdames et messieurs de la presse, les pétitions à 4 membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Sankuru pour incompétence et faute grave en vue de leur déchéance. L'idéal, mieux l'objectif à ce jour, est de remettre le Sankuru sur la voie de développement suivant la vision prônée par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Sankuru va, à cet effet, se ranger comme les autres provinces dans la vision de l'Union sacrée de la nation, avec un bureau de l'Assemblée provinciale et un gouvernement provincial acquis à cette vision. Biso, caucus yaba député provincial à Sankuru, oyo tozwa ki adhésion na biso na Union sacrée à nation, pour banda mukolo ya le 28 février 2019, petwe ya ki ko formaliser kaka na mois de mars oyo. Adhésion à Bissot, tant que tu koutanaki, nabakonzi, yalikolo, au représentant, ya président de la République, de formaliser adhésion à Bissot, na Union sacrée. Tu le bas qui a été assemblée provinciale à Bissot, et ça a 25 députés. Na 25 ans, tu as 24 mibali, na moi simoko. 23 députés, ba pono ki bango, ba moussousou, baza ba chef coutumier, au bazara ki copté. Mibale ba koufi, na nombre na biso a 25 to tikali 23 députés. To lingito bisa bato mukolo wa lelo te na sima ya kobongisa mosala na biso kuna na assemblée provinciale
bureau définitif, groupe parlementaire, la commission permanente, au Salama qui en mars 2019. Mais comité des sages et au Salama en décembre 2020. En Guana, tout mon acte institution à Bissau et assemblée provinciale ne aza na nanzela to na makanisi ya ko bebi samboka na biso oto bengi sankuru na badongolo miso mususu oyo babengami bainami maske ya province na biso balobaki ete lokola maponami na assemblée provinciale na gouvernorat eliki olenge wana a province ya sankuru ekozala e gouvernable donc musala ya l'état ekozala mate bakotia bulu yeke na makambo wana. Mais boulou ya kango, pour na kokoti sango esengeli bale kananzela ya bureau et assemblée provinciale. Yango ana mukolo lelo to sangani, to lobite, esengeli biso nyonso to kota na vision makanisi ya mokonzi ya mboka, tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la union sacrée, o ezo prôner développement. Nanga elielo baete, recherche azo luka, bolamu ya moto esika na ye nyonso ya azo amelie. To zwi lelo mokano, yako sala eloko babengi pétition le biete to boyi batominei na kati ya bureau ana assemblée pe to komi mikanda to signé ango banda mukolo ya lelo lingelo bete ndenge session ezo fongoma le 30 donc mardi bureau ana eko fongola session te eko fongola te eko o gradé ya administration ako identifier le doyen d'âge na Benjamin bangonde ba kofongola session na biso ya mars bureau na bavanda nanu to examiner pétition ya moko na bango wala na mukuse eloko tolonga kitolo ba souci awa na kusukisa souci ezali tozala na gouvernement provincial ya union sacrée tozala na assemblée provinciale essentiellement union sacrée gouvernement union sacrée assemblée union sacrée eko sunga biso tokota na vision makanisi ya tata mokonzi ya mboka po ete to développer province na biso. Voilà bandeko eloko nalingaki na loba nalingala yango wana.